Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans cette petite capsule concernant le soin collectif que je propose, puisque ça fait quelques temps qu'on me demandait si j'allais en refaire. Alors, c'était prévu initialement normalement pour mercredi 18, vu qu'on sortait de la pleine lune et qu'on va arriver justement le 23 au jour de l'équinoxe. Je voulais à la base vraiment faire on va dire un soin intermédiaire qui mêlait bien les deux énergies. Bon, je sais pas si vous l'entendez, il n'y a rien de grave, mais j'ai pris, on va dire, un petit coup de froid. Pour ceux qui ont regardé la guidance de la pleine lune pour les Verseaux par rapport au chakra de la gorge, vous allez pouvoir rigoler. Mais bon, bref, il n'y a rien de grave, il n'y a rien de dramatique, mais j'aime bien être en pleine forme. Puis pareil, de toute façon, la vidéo, j'aurais dû pouvoir la mettre en ligne bien avant, ça s'est pas fait comme par hasard. Donc voilà, c'est que ça doit se faire donc ce lundi 23, enfin, lundi qui vient à 21h12, hein. J'aime bien cette heure-là, c'est l'heure de mon ange gardien, Mayel. Voilà, donc je vous invite à me rejoindre dans ce live privé pour faire un soin collectif. Alors, comme justement, là normalement, vous avez dû passer la pleine lune, quand vous regarderez cette vidéo, on fera quand même le point. Hein, avant de commencer et de passer au soin qui durera à peu près une demi-heure derrière, on prendra le temps quand même de voir tous ensemble un petit peu comment se sont passées les dernières énergies, puis parler aussi un petit peu de l'équinoxe là qui est en train d'arriver. Mais comme on est en train d'entrer dans des énergies hein, de balance, de recherche d'équilibre, etc., ben forcément, je vais vous proposer un soin d'harmonisation, hein, justement pour équilibrer chacun de vos chakras. Pour faire en sorte que ben les petits blocages là qui empêchaient les énergies de circuler correctement dans vos différents corps ben puissent enfin passer hein, et puis comment dire faire leur travail comme elles devraient pouvoir le faire et vous permettre surtout d'avancer puisque on parlait de clôture de cycle là dans la dernière vidéo. Là, il y en a un nouveau qui est en train de s'amorcer, même si les énergies, entre guillemets, vont être un petit peu ralentissantes, puisqu'on va dans l'hiver, on va rentrer dans le ventre de la terre-mère, hein, de notre chère Gaïa, ça n'empêche. Hein. Donc voilà, si ça vous tente, si vous sentez que vous en avez besoin, que vous en avez envie, que voilà. Comme vous le sentez, hein, comme d'habitude, moi je ne force jamais personne. Ce sera sur donation libre, ben, voilà, comme les autres fois, hein, avec un minimum de 5 euros quand même. J'enverrai le lien directement sur votre adresse PayPal hein, qui servira pour faire la donation. Si vous voulez comment dire, recevoir le lien pour le live sur une autre adresse, vous avez juste à me dire et puis voilà. Je vous l'enverrai sur l'adresse de votre choix, il n'y a pas de problème. J'enverrai le lien vers 21h. Et puis, ben, je pense que je commencerai, on va dire, à mettre la caméra en mode active vers allez, 21h05, histoire de ne pas rester 10 minutes comme ça, à attendre que tout le monde arrive. Hein. Le but, c'est pas que de discuter avec 2-3 personnes en attendant que la suite vienne, hein, mais qu'on soit vraiment tous ensemble, qu'on puisse partager. Ça me fera vraiment plaisir aussi de vous retrouver. Pour certains, enfin, qui l'ont déjà fait, hein, j'entends. Pour d'autres aussi, peut-être, qui ne l'ont jamais expérimenté. Donc voilà. Voilà ce que je vous propose pour la semaine prochaine. Puis bah écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis bah moi je vous donne rendez-vous donc lundi prochain pour un soin ensemble. Voilà. Et bah écoutez, je vous souhaite à tous une superbe semaine, très lumineuse. Et voilà, bon courage, prenez soin de vous et puis à bientôt. Namasté.